Les podcasts du journal Petit Pont. Marquer est toujours une sensation géniale, surtout quand le but inscrit est splendide. La bicyclette ou retournée acrobatique fait partie de cette catégorie. Chaque enfant qui joue au football a, un jour, tenté ce geste et rêvé de le réussir. Il est tellement difficile à réaliser. On est entre le but et le ballon, dans le mauvais sens. Le ballon est trop haut et arrive si vite qu'il ne nous laisse pas le choix. Il faut se lancer et oser l'impossible. Philippe Mexès, ancien défenseur international français, réalise cette prouesse avec le Milan AC contre Anderlecht lors d'un match de poule de la Ligue des Champions 2012. Le milieu italien Riccardo Montolivo frappe un coup franc anodin situé à une quarantaine de mètres de la cage adverse. Le ballon flottant se dirige à l'entrée de la surface de réparation des Belges. Mexès, dos au but, contrôle de la poitrine, s'élève dans les airs et reprend de voler ce ballon pour le propulser dans la lucarne. Un geste digne des plus grands buteurs. Si chaque but a la même valeur, celui-ci restera comme l'un des plus beaux de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est la fin du match. À très vite pour plus de culture foot.